Bonjour, on est toujours lundi et je suis pas venue face cam depuis le début de cette journée. J'ai fait plein. Pas tant de choses en fait que ça. Là, la lumière c'est brut, hein. Il est 16h43, je viens de rentrer chez moi. Je me suis demandé si en faisant la vidéo une semaine dans ma vie, j'allais vraiment vous parler de tout. Je sais pas, je me dis que pourquoi pas finalement. Là aujourd'hui, ce matin j'avais deux rendez-vous et cet après-midi j'en avais un. J'étais à l'hôpital parce que je suis dans une démarche pour faire un don d'ovocytes. Donc ce qui permettrait à des couples qui veulent des enfants, des couples ou des femmes d'ailleurs, célibataires, à des couples d'avoir des enfants. Je ne vais pas vous expliquer comment le parcours a commencé. Je crois que j'ai décidé de faire cette démarche. J'ai eu mon premier rendez-vous en juillet, puis en septembre. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus parce que je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez des infos, si vous voulez savoir ce qu'il en est. L'avantage, c'est que comme je suis à mon compte, je suis assez dispo pour pouvoir me déplacer aux rendez-vous médicaux. Ça, c'est pas mal. Ça peut être assez contraignant quand on a un emploi classique avec des horaires de bureau, on va dire. Il est 16h45, donc je n'ai pas commencé à bosser aujourd'hui parce que voilà, ça m'a pris. Donc je suis allée à la muscu, je suis rentrée, je me suis fait à manger vite, je suis partie à l'hôpital. Je suis revenue pour manger, je me suis reposée et je suis repartie direct. Donc c'était assez rapide. Comme j'ai tourné une vidéo hier, eh bien je vais la monter maintenant. Comme ça, je pourrais dire que j'ai quand même fait un petit quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai quand même bossé. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, ça c'est la lumière qu'il y a à partir de cette heure-ci dans mon appart. C'est assez grandiose. Donc il y a un contre-jour, mais vraiment c'est. Voilà, donc l'avantage c'est que vous voyez la vraie vie, les petits détails comme ça qui sont plutôt partagés sur Instagram d'ailleurs. Si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais écoutez, là je vais me mettre en mode montage et je sais pas si je vous filmerai encore ce soir ou si on se retrouvera demain matin du coup. Demain je pense que je vais peut-être vous prendre à la muscu quand même, histoire de vous montrer mon rythme de semaine. En général, il est tourné autour du sport. Et après mes journées, elles se ressemblent plus ou moins en fonction de si je fais ma formation ou si j'ai du montage à faire, si j'ai des collabs. Donc voilà, c'est rythmé un peu comme ça. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Je vous écrirai à chaque fois quel jour on est, parce que peut-être qu'il y a des jours où je ferai que filmer et j'aurai pas le temps de vous prendre en face cam. Demain, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de ranger aussi le colis que j'ai reçu de Si Botanica. Il faut que je le sorte, que je regarde tout ce que j'ai et que je range tout ça. Donc on fera ça demain, c'est sûr. Et là, je vais me concentrer sur la vidéo, comme ça j'avance un max, parce que cette vidéo doit sortir ce mercredi. Et là, on est lundi. Allez les gars, l'arc-en-ciel sur moi. C'est bon. Allez, go. Il me juge pas, il me regarde pas. Chaton, il me regarde. avec quoi je suis arrivée tout à l'heure à l'hôpital. J'impose mon style. Lui, il me juge, mais moi, j'impose mon style. En train de faire de la muscu. On est mardi.
Et du coup, comme vous avez pu, eh bien non, je voulais pas montrer, mais en partant de la salle, je suis passée chercher un colis. Avant d'aller me doucher, ouais, je suis comme ça, je suis une crado. Je voulais qu'on l'ouvre ensemble parce que ça fait un moment que je l'attends et du coup, je pensais pas que c'était aussi gros comme truc. Donc, on va l'ouvrir. C'est fou parce que je vois plein de meufs qui sont avec des grands angles. Avant, je comprenais pas. Maintenant, je comprends. Je suis tout le temps obligée de vous reculer pour vous montrer des trucs, c'est relou. C'est qui ça? C'est la team Grima. Donc j'ai acheté du thé pour le padré. Je me suis acheté cette année, c'est la première fois que je fais ça, un calendrier de l'Avent de thé. Et il est beau. Il est canon. Dommage qu'il s'accroche pas. Attendez. En fait, le carton est très grand parce que le calendrier est haut, mais en fait, il n'est pas si large que ça. En même temps, c'est logique, tu me diras. Pas besoin qu'il soit extensible. Bon, toi là, j'ai pas envie de te taper toute la journée. Du coup, je vous montre. Je l'ai payé, hein, pour parler, même si je fais très souvent la promotion de Greenma. J'ai d'ailleurs un petit code promo, je peux vous mettre en dessous là. Je vous mets dans la description, n'hésitez pas. Surtout que ben là, Noël arrive. Voilà, c'est un pot de thé vert. Mais il y a plein d'autres trucs. Tu peux même personnaliser ton sachet, ton bocal aussi. Enfin bref, canon. Je me suis quand même acheté, bien entendu, parce que j'ai toujours 8 ans et demi, un calendrier de l'Avent de chocolat Kinder. Et là, j'aurai le thé en plus. Trop bien! Donc Greenma, c'est une marque de thé français et bio. La nana qui a créé Greenma, elle a aussi un compte d'affirmation, illustration aussi d'ailleurs. J'ai des petites illustrations d'elle. Ça s'appelle Le Charme des mots. Et donc, elle a combiné ces deux passions, ces deux kiffs, le thé, pour faire en fait des petites affirmations accrochées aux petites thés. Parce que je sais pas ce que c'est. Issu de l'agriculture biologique, 0% arôme ajouté ou arôme 100% issu du fruit. Ce qui est cool, c'est qu'ils disent qu'il y a 24 thés, mais ils disent pas forcément l'ordre. Tant mieux, parce que moi je préfère avoir la surprise. C'est le concept, hein. Le jasmin impérial aussi, je l'ai jamais goûté. C'est pour le kiff d'avoir le calendrier, parce que je pourrais me faire un thé tous les jours de leur marque. Mais là, en fait, j'aimais beaucoup le format. Là, je vais me doucher. Je pense que je vais faire un tout petit peu à manger pour manger. Waouh, c'est 11h43. Donc j'ai un call à 14h de ma formation. Je vous filmerai un tout petit peu. Mais après, on fera. Je pense qu'on fera le rangement des substrats. On est mardi, il faut qu'on avance sur ça. Et après, je pense que je vous laisserai un peu tomber pour que je me concentre sur la formation cet après-midi. Je pense que ça peut être cool. J'ai fini de manger il y a quoi? 30 minutes. J'ai fini ma série et là, on part sur le petit call. Et pour l'occasion, je me suis fait un petit thé. Canneberge goji de Grima. Je vais mettre de l'eau froide parce que je me brûle. Hello! Salut tout le monde! Comment vas-tu? Ça va et vous? Re. Il est 15h. Le call s'est terminé. Je vais faire une pause d'ordi. Ça va être une très bonne idée. Je m'y remettrai après. On va s'occuper de ce colis. Je vais aller regarder les codes promo parce que j'ai des codes promo chez Cibotanica. C'est une offre vachement sympa. Après, c'est toujours pareil. Je vous partage ça maintenant. C'est en story épinglé sur mon compte Instagram. Pareil d'ailleurs, j'y pense, mais j'ai un code promo sur Greenma, si jamais. C'est 5%, on sait jamais. C'est Verbobo. Comme ça, vous savez. Avec le code Verbobo, il y a une offre de 5% aussi. Mais pareil, là, j'ai un petit lien qui est affilié. Du coup, ça veut dire que j'ai un petit pourcentage si jamais vous cliquez sur le lien et que vous achetez via ce lien. Donc, ce serait trop bien. Ça me rapporte un tout petit peu de pépette. Je vous le mets en description si jamais les produits vont vous intéresser. En même temps, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Je vais en reparler. Je suis pas payée pour en parler, mais le lien affilié me fait avoir un petit pourcentage sur la vente. Donc voilà. Le code, c'est Verbobo. Ça vous offre 5% sur votre panier global. Et le lien affilié sera dans la description. Désolée pour ma dégaine, mais le mardi, c'est formation. Alors, formation, c'est jog. Et en même temps, qui se met en jean chez soi? Personne. Ah, par contre, j'ai un super t-shirt. Oui, je fais de la pub encore. En même temps, on m'envoie des t-shirts gratuits. Tu veux que je fasse quoi? Je les mets, moi. Ok. Et je suis pas payée pour vous en parler. J'ai seulement un code affilié à vous partager. C'est des produits qui m'ont été offerts par Cibotanica. Ce qui est cool, c'est que ça fait
Ça fait un moment, moi, que j'avais pas testé leur... Je crois que la dernière commande que j'ai reçue, c'est quand j'étais à Lyon. Donc, ça date de plus d'un an. Et là, j'ai vu qu'ils avaient des nouveautés, des nouveaux types de substrats que je voulais tester parce que je connaissais même pas. Ils ont changé le packaging aussi. J'ai l'impression qu'il est plus qualitatif. Vous allez voir, j'ai pris un peu de tout parce que bah, mon but, c'est de faire du rempotage. Mais on le fera sûrement pas dans cette vidéo. Je vais sûrement faire une vidéo exprès. Je vais faire une vidéo chit-chat rempotage. Je l'avais déjà fait. J'aime bien ce format. Ça me permet de rempoter toutes les plantes que j'ai à rempoter. Et en même temps de répondre à vos questions. Donc c'est une FAQ aussi. Ensuite, voilà, ça je vais complètement découvrir. Ça s'appelle de la zéolite. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est un peu la même utilisation que la vermiculite. Drainage et la rétention des nutriments. C'est un nouveau composant magique pour le soin des plantes. Il possède une grande capacité d'échange cationique. Cela signifie qu'elle a une grande capacité à stocker les nutriments pour les donner plus tard à la plante. Elle absorbe également les nutriments très rapidement, ce qui réduit le risque de brûlure des nutriments dans vos plantes. Ok. Tout comme le charbon actif, la zéolite absorbe l'excès d'humidité et la libère lorsque cela est nécessaire. Un peu comme la perlite et vermiculite. Pour un plaisir magique supplémentaire, elle change de couleur au contact de l'eau. Oh, elle prévient également le compactage et neutralise les variations de pH. Ok, d'accord. C'est pas mal en vrai, hein, comme pierre. Hein. Donc c'est un peu bleu-gris comme ça. J'aime bien. C'est lourd en plus. Plutôt à mélanger dans les substrats que à mettre en fond, par exemple, ben, contrairement aux billes d'argile. Encore des billes d'argile. Que j'ai full rempotage de gros pots avec des grosses plantes, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris 3 fois 5 litres d'aroïdes. Je trouve que c'est le combo parfait pour tout type de plantes, notamment Monstera, Philodendron. Et j'ai encore en stock parce que ben, je rempote rarement mes Oya. Ce qui est cool chez Cibotanica, c'est que vous pouvez prendre soit tous les types de substrats et faire votre propre mélange. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup avoir des substrats qui sont tout prêts. Un peu comme j'avais avant avec le terreau universel. Moi, j'étais partie sur le fait que le terreau universel doit fonctionner avec toutes les plantes, sinon ça me saoule. Je me suis un peu calmée sur ce discours parce qu'il y a forcément des plantes qui ont des besoins un peu plus importants, par exemple en flotte, en eau, et notamment par exemple en thorium que j'aurais pas dit. Et j'ai quand même pas mal, au fur et à mesure des années, testé, essayé des substrats qui étaient toujours à base de terreau avec une forte un fort pourcentage, mais toujours avec un petit peu plus de perlite ou vermiculite pour équilibrer tout ça, pour que ce soit un peu plus léger. Par exemple, j'ai plus du tout aujourd'hui de substrats qui ont des champignons ou des moisissures, c'est-à-dire qu'il est bien aéré, que l'eau quand elle rentre dans la terre, ben en fait ça nourrit correctement aussi la plante, que quand j'apporte de l'engrais, c'est bien partagé avec l'ensemble du pot, ce qui peut être une problématique. Composants principaux: fibre de coco, lombrie, vermiculite, charbon actif. Donc tout ça c'est petit hein, en termes de pourcentage. Hein. Chips de coco, écorce de pin et nutriments organiques. Ce que j'ai pris parce que j'en fais rarement, mais j'ai quand même une belle collection de succulentes. J'ai repris un bon stock de 5 litres de substrat pour les cactus et les succulentes. Et puis si jamais aussi sur leur site, ils ont une grosse liste dans laquelle il y a presque toutes les plantes, et vous pouvez aller checker quel type de substrat correspond exactement à la plante que vous avez si jamais vous avez un peu peur de faire des mélanges qui sont pas adéquates. Donc voilà pour Cibotanica. Maintenant qu'on a ouvert tout ça, c'est parti pour le Tetris dans le canap, parce que ça aussi c'est notre problématique. On pourrait pas se douter que belle trappe, nous avons en fait une réserve de terreau et de matos pour les plantes. C'est parti pour le Tetris. Purée, j'ai réussi. J'ai réussi. Sous-côté, ce canapé Ikea là. Il est parfait pour ranger. Et maintenant, 15h28, c'est le moment où je vous abandonne un petit peu. Je vous referai peut-être quelques petits rushs ce soir. Mais là, il faut que je bosse sur ma formation. Si jamais vous vous demandez ce que je fais comme formation, parce que je dis des mots mais j'explique jamais vraiment ce que je fais, c'est une formation de media buyer, ça s'appelle. C'est très large encore une fois comme type de presta. Je le fais déjà, mais j'avais besoin de me professionnaliser et d'aller vraiment un peu plus dans le fond du métier. Donc c'est de la publicité en ligne, que ce soit sur Meta, donc le groupe Facebook, Instagram, WhatsApp et Google. Donc Google Ads, Google Analytics, tout ça. Et c'est pour aider des entreprises à se développer via
la publicité en ligne. C'est une formation que j'ai payée de ma poche et avec laquelle j'évolue au fur et à mesure. C'est ma principale activité aujourd'hui. Je pose ça là. Pour 2025, c'est sûr. J'ai déjà commencé, j'ai déjà des clients là. Mais que en méta, je vais sûrement développer ça pour Google après, bien sûr. C'est le projet quoi. Si vous passez par là, que vous avez une entreprise, que vous n'avez jamais encore fait de publicité sur les réseaux ou sur Google et que vous avez envie d'essayer, écoutez, maquette, je suis prestataire, je suis peut-être la femme qu'il vous faut. C'est ça que je développe en ce moment. Je le faisais déjà. Ça me permet de rester à mon compte, de pouvoir faire Verbobo à côté, mon podcast un jour quand j'aurai enfin du temps, puis de vivre la vie que j'ai envie de mener sans avoir de patron pour l'instant. Je pensais avoir à me remettre un petit peu dans le monde salariat, histoire de me donner un petit peu du rythme et des collègues, mais en fait, là vous allez le voir tout au long de la semaine, j'ai un rythme qui est particulier et c'est le rythme que j'ai décidé de m'imposer pour pouvoir avoir la vie que je veux, on va dire, en tant qu'auto-entrepreneur. Je pense qu'au moment où j'aurai bien développé cette activité, peut-être que je me prendrai des bureaux, parce que c'est un truc qui manque, ça, les collègues, finalement. Même s'ils font pas la même activité que toi, c'est un truc, c'est cool d'interagir avec des gens. Là, l'avantage, c'est que dans ma formation, on interagit une fois par semaine minimum. Très intéressant comme truc. Moi, qui ai vraiment un profil très créatif, ça m'apporte un petit peu plus de technique, de statistiques aussi, et je sais pas, c'est prenant. Ça m'a longtemps que je fais ça pour mon ancienne boîte, comme quand je m'étais lancée dans ThingWeb, quand j'avais fait des études dans ça, en fait, je faisais à la base de la photo et je commençais à toucher des serveurs pour pouvoir diffuser les images sur des sites internet. De fil en aiguille, j'arrive à étendre ma toile de capacités et de compétences, donc c'est cool, écoutez. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, il y a l'espace commentaire, n'hésitez pas. Et si jamais, j'ai dédié aussi des réseaux et un site internet à ça, si jamais vous avez envie d'aller voir ça par curiosité. Ça s'appelle Morgan Bohème Marketing. Je vais bosser, je vais me former pour avoir de nouveaux clients et continuer mon activité. C'est tout, on se retrouve peut-être un petit peu tout à l'heure et sinon, on se dit à demain, mercredi. Maintenant je suis habillée, on est mercredi aujourd'hui et parfois le mercredi je vais aider une copine à garder ses petites filles, mes filleules. Je vais faire ça aujourd'hui, je sais pas si je vais rentrer dans l'après-midi ou fin d'après-midi. Je vais vous faire peut-être des petits rushs au téléphone vite fait où on les verra pas, où je montrerai un petit peu les activités qu'on peut faire. Je devais aller courir ce matin mais il y a toujours d'ailleurs beaucoup de vent et je me le sentais pas, je suis un peu fatiguée de ma séance d'hier et avant-hier. Donc peut-être que j'irai fin d'après-midi, sinon je pense que j'irai un jour, quand j'irai à la salle de muscu, je le ferai sur le tapis, histoire de pas me peler, parce que là, le vent est froid. Ça y est, tu me diras, on est en novembre. Donc voilà, ça c'est ma petite matinée un peu plus tranquille. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris le temps de déjeuner, de m'habiller. Là, je suis prête et on va s'occuper des pitchounes. Et après, on verra ce qui se passe dans l'après-midi. C'est un peu plus incertain. Peut-être que je rentrerai et je bosserai ce soir, à défaut de bosser cet après-midi. Mais en même temps, il fait gris, pas super beau. On va voir si on va pouvoir aller se balader ou pas. Tous les mercredis sont pas comme ça. Mais souvent, le mercredi, c'est soit repos, soit cardio. Et après, soit je bosse, soit j'aide ma pote à s'occuper de ses petites filles. Et on passe soit la soirée entre copains. Donc, on verra ce que je vous filme. Je vous le filmerai avec le téléphone. Parce qu'à chaque fois, je prends pas ma cam quand je pars de chez moi. Et au pire, vous avez quelques petits rushs avec le téléphone qui sont peut-être un peu moins quali, j'avoue. De prendre la caméra à cette heure-ci, il est 22h26. Mais comme j'ai reçu un colis et que je veux absolument l'ouvrir ce soir, parce que ce sont des petites plantes que j'ai prises pour mon biorbe, je viens de rentrer donc de chez mes copains. Je vous ai pas filmé, on a fait un escape game avec un unlock, c'était trop bien. Mais bon, vous avez vu voir la petite journée qui est passée avec les
copine, j'ai acheté, c'est avec mon argent perso. Donc c'est pas une collab, des petites plantes. Je les ai achetées via Choose, il y avait une vente. J'ai acheté un asparagus, un Ephrolepis, mais fluo, un Immunitis, pardon, et un Oya. Ces petites choses sont compressées, les ouvrir, du moins qu'elles voient la lumière. Voilà ces petites choses. Toi t'as un petit pot ? Toi t'as un petit pot, vous n'avez pas de pot. Donc voilà, le petit Oya Mathilde. Bon lui pour le coup je vais le sortir je pense. Bon écoutez, au pire je vous le remontrerai demain matin. Tiens madame tu veux voir, je vais le mettre sous la lampe horticole. Et je vais l'arroser aussi parce que c'est dur comme du caillou. Dedans encore. Grosse séance là. Je suis épuisée. Et j'ai couru la faim, du coup je vous ai pas filmé. Rentrer à la maison et faire à manger, j'ai trop faim. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, le sport est fait. Je vais faire mon petit smoothie, me faire à manger pour le petit déj. Et après, ce sera douche. Et après, je vais me mettre au boulot. Allez, vous embarquez avec moi. Vous allez voir, c'est la même chose que je vous avais filmé en vlog. Le matin, en général, je mange la même chose. Mais bon, là, vous êtes une semaine, donc je vous embarque.
pas pris encore ce matin parce que je sors de la salle et que je suis en train de ranger ma vaisselle et que déjà qu'on n'a pas envie soi-même de ranger sa vaisselle, alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de regarder quelqu'un faire ça? Je me fais mon petit déj. Bref, je fais la vie basique que personne ne veut voir. Enfin, je pense que vous l'avez assez vu cette semaine. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, c'était séance bras, donc je peux plus lever les bras plus haut que ça. Ce matin, aujourd'hui, il faut que je travaille parce que ce soir, je pars en week-end. Bon, je reviens dimanche, hein, mais on se fait un petit week-end avec des copains. Donc du coup, je vous prendrai avec moi, mais pas avec cette cam. Je pense que je vous ferai quelques rushs avec le téléphone. Je vais quand même essayer globalement de profiter des copains et pas de filmer, même si le concept d'être une semaine dans ma vie, c'est que vous soyez réellement dans ma vie. On a prévu rando, parce que j'ai une copine qui vient chez moi ce soir, et après c'est week-end. Vous voyez, vous verrez que finalement, j'ai pas 45 000 activités dans ma semaine. Après, ça dépend des semaines, bien sûr. Là, cette semaine, je voulais organiser le live pour le Björb, mais finalement, je m'en vais ce week-end, donc je peux pas l'organiser. Qu'il y en ait qui me pose la question de pourquoi je fais autant de sport. C'est une question comme une autre et je la comprendrai parce qu'en fait j'y suis 4 fois par semaine minimum, parce que du coup c'est je vais 4 fois par semaine à la salle, mais après je fais du volley et je cours aussi. Le pourquoi du comment, c'est que j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. Il n'y a pas si longtemps, quand j'habitais à Lyon, j'avais pas trop de rythme de sport parce que mon travail faisait que ça me prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie physique et mentale surtout. Depuis que je suis à mon compte, j'essaye de m'octroyer des moments où je peux travailler sur mon ordi de chez moi, mais surtout me donner du temps et prendre soin de mon corps, ce que je faisais moins régulièrement à Lyon. Sur la fin, je recommençais à le faire parce que du coup, je me suis fait quand même une prépa pour un semi et j'ai fait un semi. En fait, ça permet de rythmer mes journées, sinon si je me laissais dormir par exemple, je pourrais dormir jusqu'à, je sais pas moi, 8h, 9h, et là il est 9h20 et j'ai déjà commencé ma journée depuis 3h quoi. Donc en fait ça me permet d'avoir de grappiller du temps sur mes journées de travail, profiter de ma journée. En fait j'aime beaucoup le matin, mais quand t'es fatigué et que t'as besoin de dormir, bah, tu perds un peu de ta matinée. Comme je suis en formation et que en plus j'ai du contenu à vous faire en général, j'essaie d'organiser tout ça dans ma semaine. L'espace commentaire est fait pour ça, mais le fait que je vous ai pris une semaine dans ma vie, je sais pas si c'est réellement intéressant, c'est ce que je me pose. Je me pose des questions en permanence pour savoir qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme contenu, parce qu'en fait ce type de contenu, quand il n'y a pas réellement de grosses activités, d'occasions, je suis pas partie en ville par exemple, je suis pas allée me balader dans le centre de Montpellier, je suis pas allée courir dehors parce qu'il faisait pas beau, enfin, mais voilà, en fait, c'est des questionnements que je me dis, si jamais la semaine il n'y a rien de dingue à vous montrer, surtout en rapport avec les plantes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous montrer une vidéo comme ça? Bah écoutez, dites-le moi, parce que là c'est exactement ce qui se passe dans cette vidéo. Moi je sais que j'aime beaucoup voir la vie classique quotidienne des gens que je suis, parce que ça m'intéresse, donc peut-être que vous oui. Franchement, soyez honnête, parce que je sais pas vraiment sur quel pied danser, je sais pas si c'est réellement un contenu qui peut vous intéresser, si c'est un truc que je fais occasionnellement une fois par mois, si c'est un truc que je peux faire une fois tout plus souvent, je sais pas. Franchement, dites-moi. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du fait de pourquoi je faisais autant de sport, en fait je vous ai donné la raison tangible, on va dire, et réelle, mais je vous ai pas donné le fond, en fait. On pourrait se dire pourquoi tu vas à la muscu, Morgane? Pourquoi tu as choisi plus la muscu qu'un autre sport? En fait, faire de la muscu, c'est pas forcément pour faire de la gonflette et pour devenir ultra musclé, déjà. C'est un sport que j'ai jamais réellement pratiqué, donc c'est la première fois de ma vie que je le fais. Et à la base, je me suis mise à la muscu parce que je voulais plus muscler pour éviter de me blesser, parce qu'actuellement je suis blessée, j'ai une tendinite au genou à cause de la course. Le fait de faire du renforcement, ça aide à aider le corps à compenser plus facilement et être plus apte suivant les efforts que je lui fais faire, en fait, surtout en course, en trail, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai des copains qui me disaient, mais pourquoi tu fais aussi le haut du corps? Parce que déjà, à partir du moment où tu muscles côté, on va dire, de ton corps, en fait, si tu muscles pas l'autre, il peut y avoir un déséquilibre, physiquement, visuellement aussi. Je le fais aussi parce que physiquement, je me sens mieux avec. Là, je me sens plus belle, je trouve. Je sais pas si on peut dire plus belle, mais j'accepte plus mon corps à partir du moment où il y a du muscle. J'ai longtemps été avec pas de bras du tout. J'ai une morphologie qui fait que j'ai plus de cuisses et de mollets, par exemple, parce que j'ai fait du volley très longtemps. Et en fait, tu muscles beaucoup plus le bas du corps que le haut du corps, en tout cas à mon poste. Je suis pas à un poste qui est percutant, du coup, j'ai pas besoin d'avoir de la musculature au niveau des épaules et des bras.
Et aujourd'hui, je fais toujours du volley, mais j'en fais en loisir et avec des mecs. Donc j'ai besoin de plus de force parce que le filet est plus haut, il faut que j'envoie les balles plus loin aussi. Mais c'est pas que pour ça. Alors certes, l'aspect physique, déjà, moi, je me sens mieux. Psychologiquement aussi, le fait d'être... de faire du sport et d'accepter un peu plus son corps, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Je dirais pas que je suis totalement en paix avec mon corps aujourd'hui, mais on va dire que ça va de mieux en mieux et j'aime bien faire ces efforts avec lui pour me sentir comme je me sens aujourd'hui. Et il y a aussi un truc de physiquement, quand t'arrives à faire des efforts que t'arrivais pas à faire avant, c'est ultra gratifiant. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de porter des cartons quand j'ai ménagé, de porter des planches, de porter des pots, de porter des charges lourdes en fait et de pas y arriver. Et en fait, ça crée une frustration. Et vraiment, quand tu y mets toute ta force et que rien ne bouge, c'est frustrant de ouf. Et étant quelqu'un qui aime beaucoup se débrouiller toute seule, ça m'est déjà arrivé quand j'étais à Lyon, du coup, quand je ne faisais pas du tout de muscu, que j'avais jamais fait, de vraiment être frustrée et de me dire, en fait, là, toute seule, je peux pas le faire. Et je comprends pas pourquoi. La réalité, c'est que j'avais pas la force physique et que j'avais pas envie de forcément demander à quelqu'un de l'aide pour pouvoir me débrouiller pour cet acte-là. Et là, le fait d'être plus forte, en tout cas en haut du corps, en bas du corps, j'ai toujours eu de la musculature. Là, j'en ai un petit peu plus. On va dire qu'il y a des efforts qui sont plus simples pour moi et je me fatigue moins vite. Parce qu'il y a aussi tout ce débat de une femme, il faut pas qu'elle fasse de muscu parce que c'est pas joli, parce qu'une femme avec des muscles, ça ressemble de plus en plus à un homme. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui évolue, mais si je peux vous partager mon point de vue, ça me fait d'autant plus plaisir que, effectivement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, j'ai toujours été dans le milieu du sport et effectivement moi une meuf musclée je trouve ça super stylé, limite je trouve ça beaucoup plus beau en fait, mais parce que c'est mes goûts, toujours pareil, c'est encore très personnel comme truc, et en fait le fait de pouvoir réussir à faire des efforts que j'arrivais pas à faire avant, pouvoir aider des copains à faire des travaux parce que j'ai la force pour pouvoir le faire, parce que dans les travaux parfois il y a des matériaux à porter, il y a des efforts à effectuer qui sont plus compliqués, plus durs, tout simplement parce que quand t'as pas les muscles ou quand t'as pas l'endurance, c'est compliqué quoi. Et donc aujourd'hui, je suis vachement fière de pouvoir le faire et de pouvoir apporter mon aide physique aussi, pas que mentale. Parce que souvent, ça peut être un frein quand t'es une nana à pas... Mais en fait, physiquement, tu peux être, je dis vite aussi, mais tu peux être vite amené à arriver à ta limite quoi en fait de force physique. Ça c'était le fond vraiment du pourquoi, parce qu'en fait on peut pas se dire cette personne elle fait du sport juste pour faire du sport, c'est rare de faire du sport juste pour faire du sport. Ça apporte de la satisfaction, ça apporte de la fierté, moi ça m'apporte du temps en dehors des ordis, du téléphone, ça me fait penser à autre chose, je me concentre sur une action, je me concentre sur ma respiration. Bref, c'est des trucs au fur et à mesure dans ma vie que je prends plus le temps de faire et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Si jamais vous hésitiez à vous remettre à un sport ou à commencer peut-être la muscu, allez savoir, faut pas oublier que j'ai commencé avec rien du tout en termes de poids. Des fois, peut-être, suivant ce que je vous ai montré précédemment, là, j'ai pu vous montrer des charges qui étaient assez hautes pour tel ou tel exercice, hein, le haut ou le bas du corps. Mais en fait, quand on commence avec rien, avec le plus petit poids. Et au fur et à mesure, on gagne en puissance, on gagne en endurance, on gagne en volume au niveau du muscle. Et en fait, on se sent de mieux en mieux. En tout cas, c'est le principe. J'ai pas pour but de faire un sport explosif et de faire du bodybuilding, par exemple. Souvent les gens qui se disent pourquoi tu vas à la salle, ça sert à quoi, ça sert juste à te sentir bien. Il n'y a pas un objectif forcément de compétition derrière, certes, moi un petit peu, mais pour d'autres sports. En tout cas, ça va m'apporter de la facilité et de la satisfaction, parce qu'au moment où je vais faire l'effort qui aura eu besoin de ces muscles en plus, en fait je vais être beaucoup plus à l'aise. Et rien que ça, c'est gratifiant de ouf pour soi-même. Très personnel le sport, c'est un truc qui a toujours rythmé ma vie, c'est un truc que je montre pas sur les réseaux parce que je trouve que c'est très personnel. Mais voilà, si jamais ça vous plaît et que vous avez envie d'avoir, je sais pas moi, des idées, des conseils, commentez, dites-moi, racontez, c'est toujours pareil, cette vidéo est assez expérimentale, donc n'hésitez pas, dites-moi et on en discute, voilà. Je retourne. Bosser.